quand tu comprends que toi tu viens dans ma vie, je vais changer ta vie. Tu peux pas courir derrière une femme, tu peux pas courir derrière quelqu'un pour faire son bonheur. Ouais les gars, c'est comment? On ne se prouve pas à une femme. En tout cas, moi dans ma tête, je ne sais pas comment vous voyez, mais moi je ne me prouve pas aux femmes. Voilà. Et si derrière là, tu me vois, si tu ne me vois pas, au revoir. Parce qu'elle ne veut pas me prouver à toi. Elle veut quoi? Elle veut que tu lui prouves que tu l'aimes. Avant de te donner ce que tu veux. Elle veut quoi? Que tu l'envoies dîner. Hein, tu as payé 100 000 dollars pour dîner elle. Elle veut quoi? Que tu forces. C'est ça? Elle veut que tu forces pour que tu dois la convaincre de pourquoi tu dois lui parler. Waouh. Pourquoi elle doit te parler? Waouh. C'est chiqué. La vie est belle pour les femmes. Moi, il ne fait pas ça. Vous, vous faites plus ça. Non, mais souvent, il y a des témoignages de couple où ça, la femme dit non, mon mari l'a même bataillé pendant 5 ans. Ok, j'ai accepté. Toi, tu penses quoi de ça? Ouais. C'est pas la vie que bon. Et finalement, lui aussi peut dire que finalement, il a eu gain de cause. Là, il a eu gain de cause. C'est bêta. La question, c'est le temps ça va. La voix n'aime pas. Quand c'est comme ça, elle t'aime pas vraiment. Parce que, je sais pas, peut-être je me trompe, je suis un humain, je peux me tromper. C'est ton avis, tu vois. Voilà, vous voyez un peu. Mais la plupart du temps, moi j'ai eu des relations avec en fait des filles qui étaient vraiment intéressées. Quand une femme est intéressée, vous êtes déjà dit, la femme en fait, elle va pas t'approcher, mais ce sont les femmes qui vous choisissent. Comment la femme te choisit? Par les signaux qu'elle t'envoie. Elle te regarde. Elle te suit partout. Tu la vois pas. Elle va commencer à se fâcher contre toi. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de te dire, je suis fond de toi. Depuis là, tu me parles pas. Quand tu commences à lui parler, si tu as la bonne approche, tu vas voir que les choses vont se faciliter. Tout est spontané. Tout est facile. Tu ne réfléchis pas trop. Mais... voilà. Parce que quand une femme t'aime vraiment, elle fait pas trop les shit tests. Elle va pas trop te faire des shit tests. Elle va pas trop te fatiguer. Elle va rendre tout facile. Pour que... parce qu'elle-même est pressée en fait que vous soyez ensemble. Tu comprends un peu? Donc, je ne me prouve pas à une femme. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont m'aimer sans... que j'ai à me prouver. Tu comprends un peu? Tu dois pas te prouver à une femme. Tu es derrière la preuve. Tu es derrière musclé. Tu es derrière l'argent. Tu es derrière tout ce qu'il faut. Si elle t'a vu que tu es jolie, qu'elle veut te connaître, elle va faire tout pour te connaître. Tu lui envoies un message, lui, comment tu vas? Elle va dire, lui et toi, ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé. C'est une femme qui est intéressée par toi. Les femmes ne sont pas ennuyées. Quand une femme t'apprécie vraiment, elle va te texter. Tu causes, elle va message même à tes fonds. Mais la causerie, ça flot. Quand une femme ne t'aime pas, c'est là qu'elle essaie de dire, oui, allô, ok, laisse-moi fermer le frigo. J'essaie de fermer la porte du frigo. Mes petits frères même, ils sont en train de dire que non, ma maman m'appelle pour aller payer foutou. Il te dit la vérité. Des histoires bidons qui ne tiennent pas la route. Toi, en tant que l'homme, tu dois comprendre que cette femme-là ne m'aime pas, elle ne me veut pas et je ne vais pas perdre mon temps, je passe à la suivante. Voilà, c'est ça la vraie science, les gars. Ah, ça va vous sauver de l'énergie, je vous répète ça, pardonnez, dealer avec les femmes qui sont intéressées par vous. Et si les femmes par qui tu es intéressé ne sont pas intéressées par toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant qu'homme, tu dois encore plus t'améliorer. Comme je vous ai dit là, si tu es au niveau des servantes, si tu es au niveau des servantes, tu vas attirer que des servantes. Si tu es au niveau de Didier Drogba, tu vas attirer les top modèles. Travaille sur le fait d'arriver au niveau de Didier Drogba pour attirer les top modèles. C'est très simple. Mais comprenez que même quand tu arrives au niveau de Didier Drogba, le game n'est pas fini. Elles vont vouloir que tu te prouves à elles. Ben, demandons Drogba, même quand tu as travaillé, tu es devenu un homme de haute valeur, elles vont vouloir que tu te prouves à elles. Pourquoi? Parce qu'elles pensent que
elle contrôle le monde. Et qui a fait ça, c'est nous. C'est nous, on lui a fait comprendre qu'elles sont le prix. Une femme n'est pas le prix. Moi, à mes yeux, moi, je ne me prouve pas une femme. Arrêtez de vous prouver une femme. Les femmes qui vous aiment, elles ne vont même pas vous demander ça. C'est elles-mêmes qui ont simple sur vous. Je vous ai toujours dit, quand les femmes sont simples, c'est encore plus dangereux. Elle peut piler le foutu pour toi à midi. À 2h du matin, elle va piler encore. Elle, c'est une femme qui t'aime. Elle, c'est une femme qui t'aime. La vie est très simple quand les femmes sont simples aussi. Quand une femme est dure, il faut la laisser. Elle te laisse en vue 2 heures de temps. Les femmes sont toujours sur les portables. Claire. Si elle te dit qu'elle est aux toilettes ou bien sa petite est morte, c'est faux. Même quand sa petite est morte, elle pleure, elle fait selfie pour pleurer. Si elle te laisse en vue 2 heures de temps, elle ne veut pas te répondre, elle ne veut pas te parler, tu gagnes du temps. Voilà. C'est comme ça on fait les gars. On ne se prouve pas une femme. Arrêtez de vouloir vous prouver une femme. Voilà. C'est ça qui est simple. Tu cherches ta validation. C'est ça être simple. Tu cherches sa validation. Attends, si elle est envoyée dans le plus grand restaurant de la ville, là, elle va m'aimer. Non. Quand tu rencontres une femme, d'abord même, les premières interactions, je vous dis, les premières interactions avec une go, tu dois les garder vraiment moins cher. On ne va pas quelque part, on sort au glacier, on sort boire un verre, c'est pas trop cher. Pour voir si elle t'aime vraiment. Parce que si tu l'envoies dans le meilleur restaurant de la ville, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se dire que quoi? Ah bon, hein? Là maintenant, c'est pas de toi qu'elle tombe amoureuse en fait. Elle tombe amoureuse en fait de ce que tu peux faire pour elle. Tu comprends un peu? Voilà, tu l'envoies dans les endroits moins chers, au glacier, pour aller boire un verre. Ou bien elle va venir chez toi. Voilà. Quand elle fait ça maintenant, que tu vois qu'elle t'aime vraiment, là maintenant, tu peux l'envoyer dans le restaurant le plus cher de la ville. Parce qu'elle t'a montré qu'elle t'aime en vérité. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà, moi personnellement, je ne me prouve pas une femme. Ben, et vous aussi, vous devez pas faire ça. Si vous faites ça, vous devez arrêter. Voilà, les femmes ne sont pas le prix. Je vous dis toujours, les femmes ne sont pas le prix. Quand tu comprends que toi, tu viens dans ma vie, je vais changer ta vie. Tu ne peux pas courir derrière une femme. Tu ne peux pas courir derrière quelqu'un pour faire son bonheur. C'est quand même bizarre de courir après quelqu'un si tu as dépensé toi-même. Oui, je l'ai dit. C'est venu bouffer mon argent. Et tu vas comme ça. Il y a besoin d'eau. Mais là, c'est vraiment. Et puis, à fou, le gars, comme ça. Ça m'a pas laissé. Toi, tu es obligé de courir derrière la robe pour qu'elle vienne te créer tes problèmes dans ta vie. Les gars, on a qu'à se réveiller. Oui. Voilà, on a qu'à se réveiller. Les histoires que ton papa te disait là. Ton papa même t'a jamais. Ton papa même c'est un simple. Claire. Faut qu'elle te dise la vérité. Ça ne fait mal, mais c'est la vérité. Et nos parents sont les simples. Ben, aïe, il faut qu'elle te dise la vérité. Tout ça, là, ça vient de la télé. Moi, mon papa m'a jamais dit que tu vas payer fleurs pour une femme. C'est dans Disney Channel, il a vu que les gars envoient fleurs. Tout ça pour nous programmer pour être des simples. La télé nous programme être des simples. La télé nous programme être des bêtas. Parce que je vois des gens, ils vont prendre. Écoutez ce que je vous dis, on n'élève pas l'enfant d'un autre homme. C'est les noirs seulement qui font ça. Tu as ton enfant, tu n'es plus son papa. Moi, je ne fais rien toi. Voilà. Parce qu'une femme qui n'est pas le papa de son enfant, déjà, il faut savoir que c'est un big red flag. C'est un big red flag, à part certaines femmes à qui d'autres hommes ont fait du mal et tout. Ouais. La plupart du temps, on les fait toujours du mal. Mais une femme en fait, qui est single mother, c'est-à-dire qu'elle est mère célibataire, c'est une porclée. Claire, répète ça par nous. Voilà. C'est une porclée. Moi, je vous dis là, ben. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est les Africains seulement. Si vous regardez bien, la plupart des Européens font. Hein. Mais c'est les noirs seulement qui ont l'habitude de s'occuper des enfants des gens. Parce que quoi, il ne veut pas faire sa propre famille. Moi, il prend soin de la sémence de quelqu'un d'autre. Non. Non. Si je veux prendre soin de la sémence de quelqu'un, c'est moi-même ma sémence. Voilà. On ne prend pas soin d'enfant de quelqu'un d'autre. On ne se prouve pas à une femme. C'est toi qui dépend sur elle. Si elle est riche, elle ne va pas chercher ta vie. Si elle est riche, elle va chercher quelqu'un qui est plus riche qu'elle. C'est ça en fait l'hypergamie. Même les gros qui sont pauvres là. Les gros qui sont pauvres là. Elles cherchent les hommes riches. Une gros qui est pauvre ne va jamais chercher quelqu'un qui n'est pas riche.
quand elle est pauvre là, même si elle va chercher un pauvre, c'est un pauvre qui a l'argent qu'elle. Il est pauvre, elle aime, elle a un peu plus d'argent qu'elle. Donc c'est-à-dire que si toi tu es pauvre même là, tu es mort même. Il n'y a même pas de programme de femmes dans ton programme. Il n'y a même pas de femmes dans ton programme même. Mais il est quand les gigolos alors. Non, les gigolos, ils ont un bon kiki. Voilà, c'est ça. C'est ça les gars. Dans ces cas-là, c'est la bonne assiette de dépenses. Voilà. Mais les bons, ils sont quand femmes font des bonnes dépenses. Non, femmes elles font. Même ce qu'ils ne demandent pas, elles font. Même ce qu'ils ne demandent pas, elles font. Voilà. La plupart du temps, quand une gosse se comporte bien, le garçon il devient fond. Elles vont dire aussi que non, quand un garçon se comporte bien, le moron la gosse devient fond. C'est jamais possible. Quand le moron se comporte bien. Quand le moron se comporte bien, la gosse, elle le repousse. Et on dit, tout, quand tu fais tout bien une femme, c'est comme si tu faisais tout mal. Mais ton bonjour, mais les... Quand tu fais tout bien une femme, c'est comme si tu faisais tout mal. Non, tu as lui envoyé un message chaque matin, bébé, je t'aime, con, con. Au début, c'est chic, hein. Faut faire ça si un an, deux ans. Faut faire ça si un an, deux ans. Elle va chercher l'homme qui fait pas ça. Elle veut le transformer en bêta. C'est-à-dire que quoi? Lui qui fait pas ça là, elle a un challenge de le faire. Il n'a qu'à faire ça. Et une fois qu'il commence à faire ce qu'elle veut, elle n'est plus attirée par lui en fait. C'est-à-dire qu'elle prend un alpha, elle le rend en bêta. Et puis une fois qu'il devient bêta, elle n'est plus attirée par lui. À cause de ce que vous dites, ce qu'une femme te dit, c'est pas ça que tu dois faire. Si une femme te dit quelque chose, il faut faire le contraire. Ouais, si une femme te dit quelque chose, il faut faire le contraire. Voilà. Parce que tu arrives pas au début, et puis elle va te dire bêta. Moi j'aime les gens qui font ça, j'aime les gens qui font ça. Toi tu penses que tu es en train de chercher sa validation. Elle cherche ma validation. Moi il y a des mots qui font piller les garçons. Tu fais pas pied, tu dégages.